Alléluia. Merci Jésus. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos faibles vies, Jésus. Merci, ô Dieu, pour tes multiples grâces. Éternel Dieu de gloire, en ce jour encore, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Éternel Dieu, maintenant encore, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, 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 Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus, maintenant encore. Révèle-toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Éternel Roi de gloire, nous avons soif de toi. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Révèle-toi, révèle-toi. Fais-nous entendre le cœur de Dieu. Fais-nous entendre la voix du Père. Fais-nous entendre la voix de Dieu, Saint-Esprit. Touche-nous, transforme-nous, change-nous, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence en ce lieu. Jésus, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence en ce lieu. Oh. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit en ce lieu. J'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction, mon Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin. Seigneur, c'est notre prière. Fais au-delà de nos attentes, fais au-delà de notre imagination. Alléluia. Alléluia. Amen à dire amen en acclamant le Seigneur. Shalom, shalom, nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur, lui qui a rendu ce moment possible, lui qui nous a conduits, qui nous a accordé la grâce et la faveur de nous retrouver encore en ce jour dans sa présence, que son saint nom soit glorifié. Amen. Je voudrais dire un profond merci à l'apôtre Douglas, à son épouse, pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être avec vous en ce jour, déjà toute cette semaine, mais encore aujourd'hui. Ça me touche profondément que le Seigneur se souvienne de vous. Je voudrais dire merci également à tous ces hommes de Dieu qui nous ont bénis, le docteur Freddy qui nous a puissamment bénis. Yeah. Je lui ai dit, ne t'étonne pas, un jour, tu me verras en train de prêcher ton message quelque part. Je voudrais dire merci également à l'évangéliste Sonny pour ce matin, la connaissance de Dieu, une clé capitale. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ce thème, la nuit de l'enfantement. La nuit de l'enfantement. Parler de la nuit de l'enfantement, qu'est-ce donc? Déjà, l'enfantement, c'est un événement qui arrive. On attend cela, on attend que la femme accouche, on attend que ce moment arrive, ce moment qui est à la fois un moment de délivrance, un moment de joie, mais aussi un moment plein de stress. Je me rappelle moi-même, nous avons 4 enfants avec mon épouse et à chaque grossesse, pour moi, ça a été des moments de stress parce que la femme n'est plus dans son état normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je vous passe des détails de l'accouchement. J'ai assisté à l'accouchement de mon dernier fils. Je puis vous dire que ce n'est pas évident. L'accouchement, c'est un moment où la femme passe entre la vie et la mort. Tout peut arriver. L'enfant peut naître vivant, il peut naître mort-né, la femme peut passer, peut laisser sa vie. Ce n'est jamais évident, un moment d'accouchement. Une hémorragie peut arriver et c'est la catastrophe. C'est un moment rempli de stress. L'enfantement, un événement inhabituel. Mais pourquoi parler de la nuit de l'enfantement? La nuit, c'est l'image de temps sombre dans lequel l'enfantement peut arriver. Et la nuit est aussi l'image de cette saison où les règnes des ténèbres se manifestent, où l'ennemi prend contrôle, où il agit. Et la nuit de l'enfantement, c'est un événement attendu pour les uns et inattendu pour les autres, surtout dans le cadre de mon message. Et tout à l'heure, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais nous proposer un certain nombre de textes. Je prie que le Saint-Esprit me donne de mots pour passer le message qu'il veut nous dire ce matin. Nous sommes dans Romains 8, 20 à 23. Romains 8, 20 à 23, la Bible dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La création est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Mais qu'est-ce qui sera accouché? Qu'est-ce qui sera enfanté? Au verset 23e, la Bible dit « Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De la même manière que la nature soupire et souffre des douleurs de l'enfantement, la nature soupire après ce moment de l'accouchement. La nature soupire après cette délivrance qui arrive. La nature attend ce moment où enfin l'enfant va naître. Mais nous aussi, nous attendons ce moment de délivrance, ce moment où nous seront rachetés dans notre corps, ce moment d'adoption. Notre deuxième texte se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25. Nous allons lire du 1er au 13e verset, Matthieu 25, 1 à 13. La Bible dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » À la rencontre de l'époux. Elles allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, soulignez bien cette phrase, l'époux tardait. Comme l'époux tardait, s'assoupir et s'endormir. J'aurais voulu ne voir que les folles en train de s'assoupir et de s'endormir, mais que ce soit les folles, que ce soit les sages, la Bible dit toutes s'assoupirent et et s'endormirent au milieu de la nuit. Ce n'était pas le matin, ce n'était pas à midi, ce n'était pas le soir. C'était en plein milieu de la nuit quand le sommeil devient profond, quand on ne se rend plus compte de rien, quand on perd la conscience de notre propre existence, quand on n'a plus le contrôle de rien du tout. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Bien-aimé, il arrivera un moment où la porte sera tout simplement fermée. Plus tard, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, plus tard risque d'être trop tard. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Bien-aimés, comme les 10 vierges, nous aussi, nous sommes en train d'aller quelque part. Les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. Nous également, nous ne marchons pas à vue. Nous ne sommes pas sans destination. Nous ne sommes pas sans ignorer là où nous sommes en train d'aller. Quand je dis nous, je parle de l'Église. Nous savons ce qui nous attend. La Bible dit qu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Et l'Église également se prépare à un événement grandiose, un événement glorieux, la rencontre de notre Seigneur. Bien-aimés, nous soupirons après ce temps, nous soupirons après ce jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra nous chercher. Et ce moment arrive et ce temps arrive bientôt. Et toute notre vie devait tourner autour de cette glorieuse attente du retour de notre Seigneur. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 51, 58. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce, soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Frères, nous soupirons après ce moment. La Bible dit que ce jour-là, la trompette va sonner à la voix d'un archange, au son de la trompette. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendra, mais ce n'est pas tout le monde qui le verra. Seuls ceux qui sont en alliance avec lui le verra ce jour-là. Bien-aimés, ça sera un jour inattendu pour les uns, attendu pour les autres. Tel un enfantement qui surprend la femme enceinte. Tel le travail, tel la douleur de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Ce jour-là, certains seront surpris, d'autres ne le seront pas, car ils auront été prévenus. Et je suis venu nous annoncer ce soir que nous sommes en train de vivre la nuit de l'enfantement. Il y a quelque chose qui est en train qui est sur le point d'arriver, un événement qui est sur le point d'arriver, le retour de notre Seigneur. Et plus que jamais, en ce temps-ci, nous devons en être conscients. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le temps et les défis de l'enfantement, nous avons tellement de rêves, tellement de choses que nous voulons voir arriver. Nous avons des destinées à enfanter, nous avons des entreprises à enfanter, nous avons des projets à réaliser, nous avons des promesses à vivre. Frères bien-aimés, je suis venu nous dire ce matin que toutes ces choses sont bonnes et même très bonnes. Mais l'apôtre Paul déclare, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux de tous les hommes. Jésus-Christ pouvait dire, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, l'opulence, tout ce que vous voulez, ces choses sont bonnes, mais il y a mieux que ça, il y a plus glorieux que ça, il y a plus grand que ça. Voyez-vous, chers bien-aimés, aujourd'hui nous sommes tellement distraits par ce que nous voyons que nous n'arrivons pas à percevoir ce que nos yeux ne peuvent voir. Et ce que nous ne voyons pas, c'est des choses plus glorieuses que ce que nous voyons. Jésus a dit, amassez des trésors incorruptibles que la rouille ni la teigne ne peuvent détruire. Et ne nous encouragez pas à nous amasser des trésors corruptibles d'en bas, bien que nous en ayons besoin. Mais il y a mieux que ça, que des hommes et des femmes qui perdent leur communion avec le Seigneur, qui hypothèquent leur alliance avec Dieu pour des trésors périssables d'en bas. Il y a des gens qui se sont vendus eux-mêmes. Ils ont vendu leur foi, ils ont vendu leur communion avec Dieu, ils ont vendu leur alliance avec Dieu comme Esaü, qui, pour quelques lentilles, a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu sa vocation. Il a vendu son appel. Il a vendu l'accomplissement des promesses de Dieu pour le temps présent. Écoutez ce qu'il dit à son frère Jacob. Que me sert-il d'avoir le droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. Je faim. Donne-moi à manger. Et plusieurs sont comme Esaü. Pour des choses présentes, nous sommes prêts à tout hypothéquer. Nous oublions notre communion avec Dieu. Nous oublions que ce monde n'est qu'éphémère. Nous oublions que la vie ici-bas n'est que précaire. Nous oublions que le temps de notre existence n'est que de courte durée. Jésus revient. Et bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. Et bientôt, et très bientôt. Bien-aimés, nous sommes à l'aube de son retour. Et l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, le chapitre 13e, si vous lisez du 11e au 14e verset, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Oh, Jesus. Écoutez, quand ma femme était enceinte, je dormais, mais avec un œil ouvert. Il fallait se rassurer qu'à tout moment, on peut partir. On n'avait plus de sommeil paisible parce qu'on attendait quelque chose. Et on ne pouvait pas se permettre de dormir comme tout le monde. On était comme des militaires prêts à aller en guerre parce qu'il s'agissait de la survie et de ma femme et de mon enfant. Je devais être prêt. Je suis allé à l'hôpital. J'ai tout organisé. J'ai payé la caution qu'il fallait payer, tout. Je devais me rassurer que quand le moment viendra, rien ne sera un obstacle. Quand tu attends l'enfantement, tu ne vis pas comme tout le monde. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, nous savons, d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes, frères. Nous sommes à l'heure de l'enfantement. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Écoutez le verset 12e, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons nettement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La Bible nous parle de la nuit qui est avancée. Je voudrais nous dire ce matin, frère, que quand la nature, le monde est en train de soupirer après l'enfantement, quand je dis que le monde est en train de souffrir des douleurs de l'enfantement, frère, effectivement, nous sommes dans un temps crucial. L'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. Nous sommes dans la nuit. Et les vierges se sont endormies, pas le jour, mais la nuit. Et le Seigneur est revenu, pas le jour, mais la nuit. Pasteur, est-ce que le Seigneur reviendra la nuit? Non, il ne s'agit pas de la nuit physique, il s'agit de la nuit spirituelle. Oui, et quand la nuit arrive, il y a un certain nombre de choses aussi qui arrivent. La nuit, c'est l'heure des grands enjeux spirituels. Quand la nuit arrive, l'obscurité s'appesantit sur tout. Et je voudrais nous dire que nous sommes en train de vivre un temps où la nuit spirituelle, s'est appesantie sur le monde. Le monde est sous les ténèbres de l'obscurité spirituelle. Et pourquoi seulement maintenant? Parce que justement, nous sommes à l'aube, à la veille de son retour. C'est l'heure, c'est la dernière heure, nous dit la Bible dans 1 Jean 2, 18, c'est la dernière heure. Et malheureusement, nous semblons ignorer le temps dans lequel nous sommes. Nous semblons ne pas nous rendre compte que c'est la dernière heure. Est-ce que nous sommes au courant de l'heure qui fait à l'horloge de Dieu? Il n'y a plus de temps, cher bien-aimé. Bientôt, la trompette va sonner. Et puisque c'est très bientôt, le diable, qui est bien au courant de cette réalité, a mis en marche ces dernières batteries pour endormir et distraire un plus grand nombre possible. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus de temps. Le diable le sait. Ces démons le savent. Mais l'Église semble l'ignorer. Dans Apocalypse 12, 12, la Bible dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable sait qu'il n'a plus de temps. Alors il travaille pour séduire un plus grand nombre possible, pour endormir un plus grand nombre possible. Et il a soufflé l'obscurité dans le monde. Nous sommes en train de vivre un temps où la nuit remplit la terre, la nuit spirituelle. Nous sommes à l'heure de l'éloge du mal. L'éloge de l'immoralité, l'éloge de la perversion. Rien qu'à tourner les boutons de vos postes téléviseurs, vous allez vous rendre compte que c'est l'heure du malin. Les genres des émissions plutôt, qui passent, les genres des films qui passent, tout nous parle de temps dans lequel nous sommes. Regardez les séries télévisées, il n'y a que sexe, il n'y a que corruption, il n'y a que drogue, il n'y a que immoralité, il n'y a que infidélité, il n'y a que criminalité, il n'y a que violence. Et c'est ce genre de cinéma qui a plus de succès. Plus il y a la perversion, plus il y a du succès. Faites une analyse de tous ces films à qui on a décerné, je ne sais pas moi, des trophées. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Jesus help me. Parce que c'est l'heure du mal. Nous sommes dans un temps où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Oui, on acclame le mal, on loue des choses honteuses et abominables. Et même dans certaines nations, tu es censé les accepter et les encourager, au risque même de faire la prison. Des choses autrefois qu'on ne pouvait accepter, mais que l'on accepte aujourd'hui, et même qu'on encourage. Les temps sont mauvais. C'est l'heure de la rébellion contre Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2,7, le mystère de l'iniquité agit déjà. La puissance du mal, de la méchanceté est déjà à l'œuvre et l'ennemi travaille. Et comme conséquence, c'est le rejet total de Dieu, le rejet de la foi. Les hommes croient de moins en moins en Dieu. Tu parles de Jésus, mais on se moque de toi. C'est quoi ces balivernes? C'est quoi ces idioties? C'est quoi ces élucubrations? On ne veut plus entendre parler de Dieu. On ne veut plus entendre parler de la foi. On crache sur l'évangile. On crache sur la religion. On piétine les choses sacrées. Une indifférence totale quant aux choses de Dieu. C'est la banalisation des... l'immoralité, la banalisation de la perversion. Et nous assistons à cette réalité. Le monde est dans les ténèbres. Autrefois, quand je grandissais moi-même, on avait à l'école, dans nos écoles, des cours de religion où on nous parlait de Dieu. Mais aujourd'hui, ces choses n'existent plus. On a enlevé tout ce qui est allusion à Dieu dans nos écoles. Mais au même moment, le diable est en train d'introduire autre chose. Dernièrement, je regardais les images de l'école de mon enfant. J'ai vu qu'ils étaient en train de faire des pratiques bizarres, des positions bizarres. Je me suis dit, mais ça, c'est le yoga qu'on est en train d'apprendre aux enfants. J'ai appelé la maîtresse, je lui ai dit, « Please, maman. » Si tu veux faire ces choses, mets mon fils à l'écart. Vous voyez, dans nos écoles, les enfants sont initiés sournoisement à l'occultisme. Oui, mais on ne parle pas de Dieu. Dès que tu parles de Dieu, tout le monde se lève contre toi. Mais on parle de certaines sciences mystiques. Et ça, à la télé, tu as le droit d'en parler. Tu as le droit d'organiser des émissions où tu parles de ces réalités métaphysiques. C'est l'heure du mal. Autrefois, nos dessins animés, c'était pur, c'était sain. Mais aujourd'hui, l'immoralité... Et écoutez, chers bien-aimés, à chaque fois que les hommes ont tourné le dos à Dieu, le Seigneur n'est pas resté indifférent. Rappelez-vous du temps de Noé. La Bible dit que les pensées des hommes se tournaient de plus en plus vers le mal. Dieu a dit non, 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 je vais mettre fin à cette affaire. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi. Parce que le monde s'est détourné de Dieu. Et Dieu ne supporte pas l'impureté. J'aurais voulu que la nuit ne s'apaisantisse que dans le monde. Mais malheureusement, même dans l'église également, la nuit est au rendez-vous. Les ténèbres se sont infiltrées aussi dans l'église. Nous sommes dans un temps d'assoupissement et de sommeil spirituel dans la maison de Dieu. Un moment de grande distraction dans l'église du Seigneur. Nous sommes devenus distraits. On ne ramène plus le cœur des hommes à Dieu. Comme je disais l'autre jour, nous nous sommes mis à tourner le cœur des hommes vers eux-mêmes. Nous parlons plus des choses d'en bas que les choses d'en haut. Et même que nous aimons plus entendre les choses d'en bas que les choses d'en haut. Et à longueur de journée, nous ne parlons que de ça. Prospérité par-ci, bénédiction par-là, élévation par-ci. Il n'y a que ça et nous aimons ça, nous aimons ça. La Bible dit dans 1 Timothée 4, 1 à 2, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Nous assistons aujourd'hui au retour de la mondanité dans la maison de Dieu. Je vais en parler tout à l'heure. Nos cultes sont devenus des shows des orateurs, où des orateurs viennent parler d'eux-mêmes, parler de leur compte en banque, parler de leurs vêtements, parler de leur voyage, parler de leur véhicule. Bien-aimés, nous n'en avons pas besoin. Parlez-nous de Jésus. L'esprit de séduction est en train de ravager nos églises. Oui, je parle de la séduction. Il il y a l'émergence de faux enseignements. Et nous aimons ces faux enseignements, là où on nous parle du retour à l'intégrité, à la consécration, à la sainteté, à la crainte de Dieu. Nous n'en voulons pas. Nous voulons aller là où on nous parle de choses qui nous font plaisir. Et la Bible dit dans 2 Timothée 4, 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Nous ne voulons plus entendre la crainte de Dieu, la sainteté, c'est le genre de message que nous ne voulons plus entendre. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la corruption, nous nous sommes éloignés de Dieu. L'Église aujourd'hui est remplie des hommes et des femmes hypocrites. L'hypocrisie dans la maison de Dieu, nous sommes faux, nous sommes devenus faux. Nous avons deux visages, deux facettes. Des hommes et des femmes qui viennent remplir les églises le dimanche matin et qui élèvent les mains, qui adorent le Seigneur. C'est les mêmes personnes qui ailleurs vivent dans la compromission, vivent loin de Dieu, vivent dans l'immoralité. Les mêmes personnes qui servent le Seigneur, c'est les mêmes personnes qui vivent dans la fornication, dans l'impudicité, dans la pornographie. Bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons sortir de ces choses. La distraction est entrée dans l'église et nous sommes devenus hypocrites, 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 hypocrites. Que Dieu nous aide. Et aujourd'hui, il y a l'émergence de ce mouvement qui est venu des États-Unis où on nous parle du message de la grâce excessive. Oh, don't mind, God loves you. Don't worry, relax. Dieu t'aime, la grâce de Dieu est là. Les gens qui vivent dans le péché et qui viennent à l'église, et au lieu que nous puissions les ramener à Dieu, non, nous leur parlons. Écoutez, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce ne nous encourage pas à vivre dans le péché. Non, la grâce nous sort du péché. Jésus a dit à la femme adultère, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, la grâce, va et ne pêche plus. Les conséquences de la grâce, celui qui a été touché par la grâce ne vit plus dans le péché. Qu'est-ce que tu veux enfanter? De quoi veux-tu enfanter? Quel genre d'enfant veux-tu enfanter? Qu'est-ce que nous voulons enfanter, Église, dans cette vie remplie d'hypocrisie? Quelle destinée? Écoutez, bien-aimés, descendons de nos nuages, nous sommes en train de rêver. C'est des illusions. Nous allons rester dans des slogans, des prophéties, des promesses qui ne vont pas s'accomplir. Dieu a dit aux enfants d'Israël, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je te donnerai toute terre que foulera la plante de tes pieds. C'était la promesse de Dieu. Je te donnerai la victoire, tu seras la tête et non la queue. C'était les promesses de Dieu. Mais Israël se retrouve devant Haï, un petit peuple. Israël perd la bataille. Et Josué déchire ses vêtements avec les autres anciens. Il se couvre de poussière, il se met à crier, à pleurer. Dieu le regarde. Dieu lui dit, Josué, stop crying. Arrête de pleurer. Dieu lui dit, le peuple a péché. Il y a l'interdit parmi le peuple. Dieu lui dit, aussi longtemps que tu n'enlèveras pas l'interdit parmi le peuple, tu ne tiendras pas devant l'adversaire. Bien-aimés, ces choses ne seront que des rêves, des illusions, si nous continuons à vivre dans la manière avec laquelle nous vivons. Année après année, nous continuerons à parler de l'enfantement. Nous n'enfanterons jamais rien. Tout ce que nous enfanterons, ça sera des morts-nés. Et ça sera des avortements même avant l'accouchement. Pourquoi? À cause de l'interdit, à cause de l'interdit, à cause de l'interdit. Oh, Jesus! Arrêtons de nous distraire. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous tromper à nous-mêmes. Tu veux enfanter quoi avec la vie du péché dans laquelle tu vis? Tu trompes ta femme, mon ami. Et tu veux enfanter quoi? Tu veux enfanter quoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si tu sèmes de la chair, tu moissonneras de la chair. La corruption, nous dit la Bible. La distraction est profondément entrée dans l'église. Et encore là, pasteur Douglas, que Dieu nous préserve. La distraction, le sommeil spirituel est entré même dans le sacerdoce, même parmi les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui divorcent et qui se remarient, qui redivorcent et qui se remarient. Des hommes de Dieu qui courent avec les sœurs de l'église, dans des églises où à la chorale, des gens couchent ensemble. Les protocoles du désordre, de l'impureté dans la maison de Dieu, que Dieu nous préserve. Et ça se passe sous nos yeux. C'est la nuit dans l'église, la distraction dans l'église, le sommeil spirituel. Et les 5 sages et les 5 folles se sont toutes endormies. Dieu est en train de nous dire que le sommeil spirituel ne guette pas que les folles, même les sages, vous n'êtes pas épargnés. Nous devons veiller et faire attention. Bien aimé, il y a quelques années en arrière, alors que l'Église catholique était devenue la religion d'État, l'Église catholique était devenue une grande Église. Mais il n'y avait plus la vie de Dieu. Les compromis sont entrés dans l'Église. Et il y avait des hommes qui ne supportaient plus ça. Ils sont allés chercher Dieu. Et ils avaient comme un malaise qui grandissait dans leur cœur. Et ça n'allait plus, ils ne pouvaient plus vivre. Avec toutes ces choses, ils sont sortis. Et il y a un mouvement de réveil qui a commencé, c'était le protestantisme. L'église protestante est née, une église remplie de feu, où on voyait la main de Dieu, où les hommes et les femmes craignaient le Seigneur. Mais quelques années plus tard, petit à petit, la flamme s'est mise à s'éteindre. Cette flamme, ce feu du réveil s'est mis à disparaître. Et l'église catholique est devenue pareille à l'église, plutôt l'église protestante est devenue pareille à l'église pour laquelle elle protestait. Et même il y a des choses pires qui s'y passent qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis Dieu nous a fait grâce. Il y a eu des mouvements, des réveils qui sont venus. Des églises évangéliques sont nées, des églises, des réveils sont nés. Et c'était à nouveau le feu de Dieu, le réveil, la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, même dans ces églises dites des réveils, dans ces églises dites évangéliques, les mêmes choses et même pire qu'on ne voit même pas dans ces églises dites traditionnelles. Dans nos églises des réveils, dans nos églises des réveils. On m'a raconté l'histoire de cet homme de Dieu qui, avant de prêcher, que Dieu nous préserve. Avant des grandes actions, il disait, « Ah, écoutez, vous savez, quand tu as une grande action, il faut coucher avec une femme. » Tu vois, quand tu couches et que tu pêches, maintenant tu te repens, quand tu pleures là, il y a une grâce qui se libère. Va faire le service. Sottise. Sottise. On m'a parlé des hommes de Dieu qui, pendant que les autres étaient en train de prier, lui, il était dans son bureau en train de faire des bêtises avec les sœurs de l'église. Et après, quand l'heure de la parole est arrivée, il est venu rien que pour annoncer la parole. Mais il vivait complètement dans le péché. C'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Et ça a tendance à devenir normal. Je me rappelle un jour, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une sœur. Écoutez ce qu'elle me dit. Elle me dit, « Pastor Ken, si jamais il t'arrive de pécher, de tomber avec une femme, choisis une femme sage qui ne va pas te vilipender après. » Non, je l'ai arrêté net. Je lui ai dit non, 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 non. Je ne veux même pas passer mon temps à chercher qui est sage, qui ne va pas aller colporter. Je ne tomberai pas. Je n'en arriverai pas là. Mais je l'ai compris, je l'ai compris. C'est que c'était devenu tellement normal, tellement ordinaire qu'un pasteur marié, que tu puisses avoir aussi des à côté. Écoutez, ça c'est le monde qui est entré dans l'église. Et le diable est en train de faire son travail. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5.1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Oui, c'est ce que nous vivons à l'église, dans la maison de Dieu. Pourquoi pensez-vous que les païens ne veulent plus venir dans nos assemblées à cause de notre mauvais témoignage? Nous avons tellement un mauvais témoignage. Là où nous travaillons, dans nos écoles, dans nos universités, là où nous habitons, nous avons un mauvais témoignage au point que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne supportent plus l'évangile. Nous sommes devenus un blocage à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je me rappelle au pays un jour, un frère invitait une sœur à l'église. Il lui dit, écoute, viens prier avec nous. Écoutez la réaction de la fille. La dame lui a dit, dans quelle église? Là où tel prie. Ah oui, prie avec nous. Il dit, si c'est là-bas, je ne viendrai jamais. Pourquoi? Parce que le frère avait un mauvais témoignage. Nous-mêmes, nous détruisons l'œuvre que nous bâtissons. La femme est enceinte, au moment de l'accouchement, elle écrase elle-même l'enfant qu'elle a enfanté. La Bible nous parle de cette histoire de deux prostituées. Elles ont accouché au même moment. Elles ont toutes deux eu plutôt des garçons. Mais la nuit, pendant qu'elles dormaient, l'une d'elles s'est couchée sur son propre enfant. Bien-aimé, si tu ne te réveilles pas après avoir enfanté, tu te coucheras toi-même sur ton enfant. Tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Tu as changé. Tu n'as plus la faveur que tu as, la ferveur que tu avais autrefois. La Bible dit dans Galates 5, 7 à 8, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Mon ami, regarde-toi. Tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Où est parti le zèle que tu avais? Où est partie la flamme que tu avais? Je vais nous donner quelques indicateurs quand le sommeil spirituel entre, quand la nuit entre dans une vie. Premièrement, l'insensibilité. L'insensibilité par rapport à deux choses. L'insensibilité par rapport au péché, mais aussi l'insensibilité par rapport à la parole. L'insensibilité par rapport au péché. Rappelle-toi, mon ami, autrefois, quand tu tombais dans une offense, tu n'étais pas en paix. Ton cœur était rempli de remords, de regrets. Tu tombais aux pieds du maître. Tu pleurais, tu te repentais, tu demandais pardon au Seigneur. Tu ne pouvais pas avancer sans réparer avec Dieu. Mais aujourd'hui, regarde-toi, les mêmes choses qui te faisaient pleurer hier ne te font plus pleurer. Tu vis dans le péché, mais tu es à l'aise. Tu gères, tu contrôles. Tu es tombé dans le piège du malin. Il t'a rendu insensible. Il y a des choses que tu ne supportais pas, que tu réprimais autrefois. Mais non seulement que tu le fais, mais tu encourages ceux qui le font. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Et pourtant, tu es en alliance avec le Seigneur. Et pourtant, tu sers Dieu. L'insensibilité par rapport au péché. Mais aussi, je disais l'insensibilité par rapport à la parole. Autrefois, quand on prêchait l'évangile, ton cœur était touché. Tu recevais la parole de Dieu avec empressement. Tu allais analyser ta vie et tu appliquais, tu conformais ta vie par rapport à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as développé un casque. Tu t'es mis dans un carcan. Tu es sous un imperméable qui t'empêche, qui empêche la parole de Dieu de pénétrer ton cœur. Quand on parle, tu sais que c'est toi, mais tu endurcis ton cœur. Non, 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 je ne réagirai pas, je ne me repentirai pas. Mon ami, tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de détruire ta destinée. Tu es en train de bousiller ton avenir. Tu détruis ta propre destinée. Constamment, tu renvoies la parole à d'autres. Quand on te prêche, tu dis non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour lui. Mon ami, ce matin, regarde-toi devant le Seigneur. Voyez-vous, chers bien-aimés, je ne suis pas venu nous culpabiliser aujourd'hui. Je suis venu par la grâce de Dieu nous réveiller, tout simplement. Je pleure dans mon cœur, je pleure dans mon cœur. Cette semaine, nous l'aurons passée en vain. Ça sera que des illusions, que des chimères. Vous savez, un homme qui se promène dans les déserts, accablé par la soif, s'aimait à voir des mirages, comme des sources d'eau. Mais quand il s'approche, il n'y avait rien, ce n'était que des mirages. Je prie, Dieu, que nous puissions jamais tomber dans ces pièges. Ou sinon, toutes ces choses ne seront que des mirages. Et quand on s'approchera, c'est là qu'on se rend compte de l'illusion. Le deuxième indicateur, là où il y a le sommeil spirituel, c'est le conformisme au monde, la conformité au monde. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais regarde-nous aujourd'hui. Nous nous conformons tellement au monde. Frère, c'est le monde la lumière ou est-ce nous la lumière? C'est nous qui sommes censés éclairer le monde. Mais au contraire, c'est le monde qui nous influence aujourd'hui. Regardez comment nous vivons, comment nous parlons. Il n'y a pas de différence entre les mondains et nous. Nous avons le même langage. Nous parlons de la même manière. Nous agissons de la même manière. Nous avons les mêmes attitudes. Nous avons les mêmes habitudes. Nous avons même le même accoutrement. Aujourd'hui, des fois quand je viens en Europe, je pleure. Mais vous savez, c'est pareil aussi, même en Afrique maintenant. Nous nous habillons mal, même les enfants de Dieu. On est presque nus. J'étais en train de dire à ma femme, je lui disais, chérie, bientôt les gens vont se promener en caleçon. Oui, retenez bien ce que je suis en train de dire. Vous ne verrez pas ça qu'à la plage. Maintenant, ça sera en centre-ville. Un caleçon avec un chemisier. Les gens vont se balader avec, bientôt. Bientôt, notez ce que je suis en train de vous dire. Bientôt. Et j'aurais voulu que ça s'arrête dans le monde. Malheureusement, ça entre dans l'église. Où nos jeunes filles qui ont des jupes qui ne font que se raccourcir. Oh, mais Pastor Ken, tu es en retard. Ça, c'est la mode, pasteur. Ah, non, mais ça, c'est un esprit d'Afrique, ça. Non. Écoutez, la civilisation nous a séduits. Oui, ce que nous appelons civilisation, ce n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu. Il y a des bonnes choses dans la civilisation, mais nous devons rester dans la parole. La parole nous enseigne la décence, la décence. Nos sœurs s'habillent comme des prostituées, mais des sœurs dans la maison de Dieu. Je suis allé dans une église quelque part dans ces pays dits évolués. La servante de Dieu qui nous conduisait en prière, elle avait mis une culotte là, une culotte moulante. Et avec un habit là, comme ça. Vous savez, quand elle levait les mains, nous, on était obligés de nous prosterner. Mais c'était normal. C'était tellement entré dans la culture, dans le mental de tout le monde, que plus personne n'était scandalisé par ça. Et nous qui venions d'ailleurs, on était anormal. « Oh, mais pasteur, tu as un souci. » Mais non, c'est moi qui ai un souci. Vous voyez ? Vous voyez la dépravation dans la maison de Dieu? Écoutez, ne nous laissons pas séduire par la mondanité. Revenons aux valeurs chrétiennes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons notre code d'éthique. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Troisième indicateur, le mélange. La Bible nous dit dans Matthieu 13, 24 à 28, il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient. » Ça se passe toujours la nuit. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema des livrées parmi le blé et ça n'en là. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivrée ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Pendant que l'on dort, l'ennemi vient et il sème le mélange. On commence à vivre dans le mélange. L'évangéliste en a parlé tout à l'heure. Nous sommes dans la maison de Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes à la fois dans l'église, mais nous sommes aussi dans le monde. Nous servons le Seigneur, mais nous vivons aussi dans la mondanité. Nous sommes en train de prêcher la parole, mais la même bouche profère des insanités, des mensonges, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais la même personne, nous avons perdu notre identité. Dans le monde, nous sommes là. Le samedi soir, nous faisons la fête. Nous sommes dans des boîtes bizarres. Et le dimanche matin, nous venons dans la maison de Dieu adorer le Seigneur. Toujours nous. La Bible dit, « Jusqu'aux à quand clocherez-vous de deux côtés ?» Que Dieu nous aide. Quatrième indicateur, c'est la perte d'intérêt pour Dieu et pour son œuvre. Il s'est installé ou il s'installe dans le cœur de plusieurs comme un désintéressement par rapport à Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Tu n'as plus de vie de prière. Autrefois, tu ne pouvais commencer une journée sans avoir un temps, ni achever une journée sans avoir un temps seul à seul avec Dieu, un moment où tu parlais au Seigneur, un moment où tu l'adorais. Mais ça n'existe plus. Tu es devenu trop busy. Oh, pasteur, tu comprendras le jour où tu auras des responsabilités. Mon ami, quelle responsabilité as-tu? Quelle responsabilité? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu connais Daniel? Daniel, c'était l'un des plus hauts cadres du royaume. Mais la Bible dit 3 fois par jour, il priait. David, c'était un roi. Mais la Bible dit 7 fois par jour, David adorait le Seigneur. Qui es-tu? Et déjà, le peu que Dieu te donne, tu es busé. Mais quand le Seigneur rajoutera. Autrefois, tu avais le temps pour la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Tu es trop occupé. Et on trouve ça normal. Mon ami, ce n'est pas normal. C'est le sommeil spirituel. Et surtout, vous ici, en Occident, où tout court à grande vitesse. On se laisse emporter par ce flot de la vie. Et facilement, on oublie son zèle pour le Seigneur, son zèle pour la maison de Dieu. On m'a appris ce qui se passe des fois même avec les chantres. Plaise à Dieu que cela ne se passe jamais dans cette église. Où, vous voyez, un peu comme nos bien-aimés de la chorale qui sont venus nous emmener dans la présence de Dieu. Et quand ils terminent de jouer comme ça, après le moment de l'adoration, quand c'est la parole qui arrive, vous allez voir ici vide. Ils sont dehors, en train de papoter, de causer. Et quand l'heure de la louange reprend, ils reviennent pour adorer Dieu. Des mercenaires. Et c'est les premiers qui sont là, pasteur. Vraiment, écoutez, en tout cas, ce que tu me donnes, pasteur, je n'arrive plus. Hein. Enfin, tu as le choix. Ou soit tu me payes, je conduis la louange. Ou soit tu ne me payes pas, je vais ailleurs. Hein, pasteur. Je prie que ça ne se passe jamais ici. J'ai parlé avec un pasteur qui est ici à Paris. Quelqu'un a failli lui faire cette histoire-là. Vous savez comment il a réagi? Il a dit, mon ami, si le clavier va rester vide, le clavier restera vide. Mercenaires. Nous n'avons pas besoin de mercenaires dans la maison de Dieu. Nous avons besoin des adorateurs dans la maison de Dieu. Non seulement que l'on perd la vie de prière, mais on perd aussi la vie de la parole. Nous n'avons plus le temps pour ouvrir le Saint-Livre, pour méditer la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Ça ne nous dit plus rien. Nous passons notre temps devant la télé, devant Internet, sur WhatsApp et autres. 5e chose qui arrive, 5e indicateur quand il y a le sommeil spirituel, c'est la permissivité, la tolérance. Des choses qu'on ne supportait pas, on est en plein dedans, on les tolère, on l'accepte. La Bible dit dans 2 Pierre 2, 22, « Il leur est arrivé, ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait ses vautrés dans le bourbier. » Plusieurs se retrouvent dans la boue du péché, mais ils sont là, derrière leur maquillage, derrière leur beau veston. Nous sommes là. Je prie que Dieu nous aide. 6e chose, et c'est par là que je vais atterrir, c'est la perte de l'espérance. La Bible dit, le passage que j'ai lu au départ, que la nature soupire après quelque chose. Et l'Église aussi soupire après quelque chose. C'est le retour du Seigneur. Mais voyez-vous, quand il y a sommeil spirituel, nous perdons l'espérance du retour du Seigneur. Nous n'attendons plus le retour de Dieu. Ce n'est plus une attente. Ça ne brûle plus au-dedans de nous. Et pour preuve, on n'en parle pas, on parle de tout, sauf du retour du Seigneur. Oui, on parle de tout, on parle de la prospérité, on parle de la bénédiction, on parle du mariage, on parle de tout ce que vous voulez, mais on ne parle pas du retour du Seigneur. Or, il a dit, je m'en vais et je reviendrai vous chercher. Et nous devions être en train d'attendre le retour du Seigneur, mais ce n'est plus notre désir. Je prie que le Seigneur ramène dans nos cœurs la soif de le voir. Alléluia. Ce jour-là, la Bible dit que quand il reviendra, nous le verrons tel que je te vois, tel que tu me vois, frère, tel que nous le verrons. Nous verrons le Seigneur. Nous serons dans la communion de sa présence glorieuse et plus rien ne pourra jamais nous séparer. Ces jours-là, nous allons recevoir la véritable révélation de notre Dieu. Ça ne sera pas une vision, mais nous le verrons face à face. Je me suis toujours dit, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire ce jour-là? Je ne sais pas si je me mettrai à crier quand je le verrai. Je ne sais pas si je me mettrai, je ne sais pas ce que je ferai, frère, mais je sais que ça sera tellement glorieux ce jour-là dans sa présence. Et mon cœur soupire après ce moment, ce jour où enfin je verrai mon Dieu, je verrai mon Seigneur. Ce jour où enfin je verrai celui que j'ai servi sans avoir vu, celui que j'ai aimé sans avoir vu. Enfin, je le verrai, je pourrai le toucher, je pourrai me jeter sur ses genoux. Mon Dieu, je verrai les créateurs, je verrai El Shaddai, Adonai, El Elyon, Elohim, El Olam. Ce jour-là, je le verrai. Ça ne sera pas en partie, mais je le connaîtrai tel qu'il m'a connu. Et mon cœur soupire. Je serai dans sa présence, nous serons dans sa présence. Là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil. Nous serons là dans la glorieuse présence du Créateur. Pas comme des anges, pas comme des serviteurs, mais comme des fils et des filles de la maison. Nous allons entrer en possession de notre héritage. Et je sens les douleurs de l'enfantement, car bientôt ce temps arrive. Ce temps où nous allons entrer dans l'éternité, là où il n'y aura ni seconde, ni minute, ni heure. Mais nous resterons là d'éternité en éternité, de siècle en siècle, dans sa présence. Oui, ce temps arrive. Et bientôt nous allons entendre le son de la trompe. La Bible déclare que l'Esprit et l'Église disent « Viens !» Nous attendons le retour du Seigneur, c'est notre espérance. Bien-aimés, je prie Dieu qu'il puisse restaurer cette attente imminente, cette espérance dans nos cœurs. Quand tu as une telle espérance, tu es comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne manges pas. Il y a des choses que tu ne touches pas. Pourquoi? Parce que ça peut faire du mal à l'enfant. Il y a des choses que il y a des mouvements que tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu peux faire du mal à l'enfant. Quand tu es dans cette attente, il y a des attitudes que tu n'auras pas. Il y a des comportements que tu n'aura pas. Il y a un genre de vie que tu ne vas plus vivre. Pourquoi? Parce que j'attends quelque chose. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je peux tromper ma femme. Je peux tromper ma femme, oui. Je peux vivre dans l'adultère, oui. Je peux me mettre à sortir avec les jeunes filles, oui. Mais je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'attends quelque chose. J'attends le retour de mon Seigneur. J'attends le retour de mon Dieu. Ce jour-là, il nous amènera dans sa présence. Il nous ouvrira la porte de ses magasins. Et il nous montrera nos couronnes. Il nous montrera nos récompenses. Ce jour-là, nous allons entendre le Père nous dire « Entre dans la joie de ton maître ». Bon et fidèle serviteur, je soupire après ce jour. Oui, Seigneur, viens bientôt. Je n'aurai plus de stress de la vie. Je n'aurai plus de factures à payer. Je n'aurai plus de pression quotidienne. Je n'aurai plus à courir dans tous les sens. Ces choses seront passées. Je vais entrer dans la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, là où les rues sont pavées d'or. Je vais marcher sur l'or, là où les murs sont faits avec des pierres précieuses. Ça sera ma nouvelle cité, ça sera ma nouvelle demeure. Je soupire après ce temps, je soupire après ce moment, là où la joie sera à son comble, là où l'allégresse sera à jamais notre portion. Je soupire après ce temps. Oui, Jésus, viens, viens, viens. Et le monde soupire et souffre de douleur de l'enfantement parce qu'il y a quelque chose, qui arrive et c'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. La Bible déclare dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos corps ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Matthieu 24, 37 à 44, la Bible dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc puisque vous ne savez pas pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. J'imagine Noé, il parlait à ses contemporains. La pluie va tomber, le déluge va venir. Mais il ne l'écoutait pas. Il se moquait de lui. Et puis après, c'est les premières gouttes qui ont commencé à tomber. Et il disait, oh, ça va passer. Et puis la pluie devenait de plus en plus forte, de plus en plus torrentielle, de plus en plus averse. Et là, ils se sont rendus compte que Noé avait raison. Et je les imagine en train de courir vers l'arche. Mais c'était déjà trop tard. Je les imagine en train de frapper, de crier. Noé, ouvre-nous. Noé, c'est moi. Noé, on a habité ensemble. Noé, on a grandi ensemble. Noé, on a joué ensemble. Noé, on a étudié ensemble. Et même si Noé les écoutait, il n'avait aucun pouvoir parce que la Bible dit qu'un ange était venu fermer. Dieu avait dépêché un ange pour fermer. Il n'avait aucun pouvoir. Bien-aimé, un jour la porte sera fermée. Au milieu de la nuit, quand les gens dorment, dans la distraction, dans la séduction, dans toutes ces choses que le monde nous présente. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'homme cria, « Réveillez-vous, l'époux est là !» Elles se réveillaient et elles se sont rendues compte. 5 n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et elles sont allées demander à celles qui en avaient. Écoutez la réponse des 5 sages aux 5 folles. Nous ne pouvons vous donner de notre huile. Écoutez bien aimés, il y a des choses que l'on ne partage pas. Elles ont dit, allez en acheter vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu dois acquérir toi-même. Je ne peux craindre Dieu à ta place. Je ne peux me sanctifier à ta place. Non, tu ne peux craindre Dieu à ma place. Je dois faire une expérience personnelle. Je ne peux croire en Jésus en ta place. Tu ne peux le faire à ma place. Il y a des choses que l'on ne fait jamais à la place de l'autre. Tu dois avoir une expérience personnelle. Et la Bible déclare, elles sont parties en acheter, mais le temps pour elles de revenir, la porte était déjà fermée. Et elles se sont mises à frapper, à crier, « Seigneur, c'est nous !» Et le Seigneur leur a dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Quand le temps d'enfantement arrive, le travail commence, les contractions, les douleurs. Et à un moment donné, la poche des os se rompt, l'eau jaillit. Là, on sait que c'est imminent. L'enfant va venir. Et on se prépare. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est des signes de l'enfantement. Jésus revient bientôt. Toutes ces choses ne sont que des signes. Ne soyons pas distraits. Car ce jour-là risque d'être trop tard. C'est maintenant le moment pour toi de prendre les bonnes décisions. C'est maintenant le moment pour toi de prendre ta vie au sérieux. Le Seigneur m'a dit, « Ken, je veux que tu parles de ces choses à mon église. Je veux que tu parles de ces choses à mon peuple. » Et des fois, j'en parlais, des fois, je n'en parlais pas. Et le Seigneur est venu me dire, « Ken, réveille-toi de ton sommeil. Avertis mon peuple. » Et j'ai pris la décision, partout où je passerai, si j'ai l'opportunité, je parlerai à l'église du retour du Seigneur. Et dans mon pays, je ne sais pas ici, dans mon pays, il y a tellement de gens qui reçoivent le même message. Des gens sont venus me voir, il y en a qui m'envoient des messages, des rêves qu'ils ont reçus, des visions qu'ils ont eues. Ils ont vu le Seigneur revenir, ils ont vu l'enlèvement se passer. Dieu est en train d'avertir, le temps est proche, préparez-vous. Et il y a quelque temps en arrière, je suivais un témoignage d'une femme en Allemagne qui était au volant de sa voiture. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez suivi aussi. Elle allait quelque part. Et puis, à un moment donné, elle a vu un autostoppeur. Elle s'est arrêtée pour prendre le monsieur. Le monsieur s'est assis à la banquette arrière. Et puis, pendant qu'elle roulait, le monsieur lui dit, « Les trompettes sont déjà à la bouche des anges. La femme ne comprenait rien. Mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas ce que vous dites. Le monsieur reprend encore. Les trompettes sont déjà à la bouche des anges. Elle ne comprenait rien. Elle était perturbée par ce message. Et puis, il s'est arrivé quelque chose d'inattendu. À un moment donné, la femme s'est rendue compte qu'elle était restée seule. Elle regarde dans le rétroviseur, il n'y avait personne derrière. Elle se retourne, il n'y avait personne, mais elle ne s'est pas rappelée. À un moment où elle s'est arrêtée, elle ne s'est pas rappelée à un moment où la portière s'est ouverte. Mais le monsieur avait disparu. Elle était perturbée, elle s'est garée, elle s'est arrêtée, elle est descendue un peu comme affolée. Et on nous dit qu'en ce moment-là, il y a des policiers qui passaient par là, qui l'ont vue et qui se sont arrêtés. Ils sont venus vers elle, une madame, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? La femme leur dit, non, 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 tout va bien. Et ils ont insisté, non, madame, à vous voir, vous n'allez pas bien, qu'est-ce qui se passe? Elle a refusé de parler, ils ont insisté. Et puis à un moment donné, la femme a dit, de toute façon, même si je me mettais à vous raconter ce qui vient de m'arriver, vous ne me croirez pas. Les policiers lui disent, madame, racontez-nous quand même. Et la femme s'est mise à raconter son histoire, ce qu'elle venait de vivre. Et les policiers étaient là, comme ça, en train de la regarder. Et quand elle termine, les policiers lui disent, madame, depuis ce matin, vous êtes la 6e ou la 8e personne qui nous raconte la même histoire. Écoutez, bien-aimés, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi le mal est en train de s'accroître. Voilà pourquoi les ténèbres deviennent de plus en plus intenses. Voilà pourquoi l'obscurité devient de plus en plus noire dans notre milieu, dans notre monde et même dans notre église. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Ou sinon, nous serons surpris. Mais ce n'est pas à nous d'être surpris. L'accouchement est un événement inattendu pour les uns, mais attendu pour les autres. Ne soyons pas surpris par le son de la trompette, mais préparons-nous, car bientôt la trompette va sonner. Je voudrais que nous puissions prier. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais prends la position qui te semble la meilleure. Vas-tu te prosterner? Vas-tu rester assis? Vas-tu te mettre debout? Vas-tu te coucher par terre? Je ne sais pas, mais prends la meilleure position que tu peux. Et mets-toi à parler à Dieu pour toi-même. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas quelle est ta vie. Mais mon ami, je voudrais crier de toutes mes forces, ne rate pas cette opportunité que Dieu t'accorde ce matin d'arranger ce que tu as arrangé. Si tu sens que tu dois te repentir, fais-le, mon ami, car il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Alors élève ta voix, parle Seigneur, parle-lui, 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 parle-lui de toi, Seigneur. Parle-lui de toi, parle-lui de toi, Seigneur. Parle-lui de toi. Parle-lui de toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je ne veux pas passer à côté de ce temps, Seigneur. Préserve-moi de la folie. Préserve-moi de la vanité de ce monde. Oh Dieu! J'ai besoin de ta sagesse. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Brise-moi, brise-moi, brise-moi. Oh, les bras bachetés près des babés et les bosses. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Mon ami, sois vrai avec toi-même, sois vrai avec Dieu. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Quand le diable ne te distraie pas, quand le diable ne te séduise pas, car les jours sont mauvais, les jours sont mauvais. Bientôt il revient, il revient, il revient bientôt, il revient bientôt. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, délébro sarabashata bradabaya, délabradala la moshata bradabaya. Bien-aimés, même les 5 sages ont été séduites. Prie le Seigneur qu'il te préserve, qu'il te garde. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Jésus. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh, chérébrele le bochata bridaba, chérébrele bochata briba shara da braza, chérébrele bochata rabra da bash, chérébrele amala bredele le bochata ria la 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 bosh, chérébrele le bosh. Oui, parle-lui, parle-lui, parle-lui avec ton cœur, mon ami. Fais-le avec ton cœur. Brise ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur. Déchire ton cœur, déchire ton cœur devant Dieu. Déchire ton cœur devant Dieu. Car il viendra comme un voleur, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur, il viendra comme un voleur, il viendra comme un voleur. Bien-aimé, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Rappelle-toi, il y a des choses qu'on ne partage pas. Tu dois faire une expérience personnelle. Tu n'as peut-être jamais donné ta vie à Jésus, ou tu l'as déjà fait, mais c'était une récitation. Ta vie n'avait jamais été changée. Mais aujourd'hui, quand tu as entendu la voix de Dieu, tu ne veux pas prendre le risque de rater le son de la trompette. Et tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je mène ma vie moi-même, je suis loin de Dieu, mais je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux lui ouvrir mon cœur. Je veux qu'il soit mon Seigneur et qu'il conduise ma vie. Là où tu es, tu vas là, simplement lever ta main droite et je vais prier pour toi. Lève ta main droite, lève ta main droite. Merci. Merci, 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 merci. Alors on va faire une chose, toi qui as levé ta main droite, viens ici devant s'il te plaît. Avance devant, avance maman, avance. C'est ton jour mon ami, avance. Alléluia. Dieu t'aime, et te parle par amour. Dieu te parle par amour, avance, avance. Dieu, oh, peux-tu tout pardonner? Oui, il peut tout pardonner et il va te pardonner, il va te pardonner. Avance, 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 avance. Soudain, si grand coupable. Avance mon ami, c'est ton jour. Mes péchés oubliés. Avance, avance, Dieu t'appelle par amour. Miséricorde insondable. Sa miséricorde. miséricorde est insondable. Dieu, peux-tu tout pardonner? Absurde d'un si grand coupable, et mes péchés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je suis, il prend. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Il prend moi. Bien-aimé, Dieu te parle par amour. Mais il y a comme une lutte, il y a comme un combat dans ton cœur. Tu sais que tu devais venir donner ta vie au Seigneur. Mais je sens comme une résistance au fond de toi. Mon ami, Dieu te parle par amour. Dieu te parle par amour. C'est parce qu'il t'aime qu'il ne faut pas que tu prennes le risque de rater ton éternité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Viens, mon ami. C'est ton jour. Viens, 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 viens. C'est ton jour. C'est ton jour et Dieu t'aime. Et il te pardonne. Peu importe ton péché, Dieu te pardonne. Peu importe ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Peu importe ce que tu as été, Dieu te pardonne. Il te pardonne, il te pardonne, il te pardonne. Alors mon ami, tu vas faire cette simple prière avec moi. Tu as tes mains légèrement levées en signe d'abandon. En signe d'abandon. Tu vas faire cette simple prière. Je vais te prêter les mots, mais fais-en ta prière. Prie avec ton cœur, que cela jaillisse du plus profond de toi. Et l'Église va nous aider à faire cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai senti ton amour, car tu me parles parce que tu m'aimes. Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai conduit ma vie loin de toi. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour moi. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Je me donne à toi. Désormais, je t'appartiens. Je suis ton enfant et tu es mon Père. Conduis ma vie jusqu'au jour où tu reviendras. Je marcherai avec toi et plus jamais rien ne me séparera de toi. Je crois que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus. Alors sois silencieux, je vais prier pour toi. Père, quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Merci Père, car c'est fait. C'est fait. Papa, c'est fait. Il t'appartient. Elle t'appartient. Mon Dieu, je te prie, ne le lâche plus jamais. Je te supplie, garde-le près de toi. Garde-la dans ta maison. Seigneur, enseigne-lui tes voies. Papa, place dans son cœur la crainte de toi. Bien-aimé Jésus, qui te craignent, qui te servent, qui te connaissent. Fais-toi connaître lui. Jésus, fais-toi connaître lui comme jamais avant. Comme jamais avant. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, inonde mon frère, remplis ma sœur, donne-lui la force dont il a besoin afin de marcher dans la victoire. Seigneur, ce monde est corrompu, ce monde est perdu et bientôt tu reviens. Garde-le fidèle à toi. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais faire un deuxième appel. Alors, je ne sais pas si le protocole va prendre le nom de ces bien-aimés pour leur suivi. Alors, attendez juste une minute, le temps qu'on prenne votre numéro de téléphone, peut-être votre nom, peut-être votre adresse. Pourquoi? Parce que nous voulons vous accompagner à rester attachés au Seigneur. Nous voulons vous accompagner à marcher dans la crainte de Dieu. Alors, venez par ici. Juste le temps pour nous de prendre vos coordonnées. Oui. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer ces bien-aimés? Miséricorde insondable, oh Jésus. Dieu peut-il tout pardonner? Alléluia. Absoudre un si grand coupable, oh. Et mes péchés oubliés. Alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Et prends-moi. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me dire qu'il a organisé tout ce temps pour une personne qui est là ce matin. Et ça fait un temps qu'elle s'est éloignée de Dieu. Elle s'est éloignée de la voix du Seigneur. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il est là pour toi. Il veut que tu reviennes à la maison. Il veut que tu reviennes à la maison. Le Seigneur me dit de te dire qu'il veut te restaurer. Il veut te redonner la place que tu avais autrefois. Le Seigneur me dit de te dire qu'il veut te pardonner. Je ne sais pas là où tu es, mais tu vas venir ici devant parce que le Seigneur a un rendez-vous assez particulier avec toi. Ça fait un temps que tu t'es éloigné du Seigneur. Il y a des choses que tu fais que les gens ne savent pas, mais que toi tu sais. Mais Dieu veut te restaurer. Alors viens s'il te plaît, viens rapidement devant. Jésus est là pour toi. Et il veut te restaurer. Merci. Que Dieu te bénisse. Oui, viens, viens. Viens, viens, viens mon ami, viens, viens, viens. Tu es en train d'entendre comme deux voix dans ton cœur. Il y a comme une lutte, il y a comme une résistance, comme une force qui te dit « n'y va pas ». Mais tu entends comme la douce voix de l'esprit qui te dit « mais je suis là pour toi, viens, viens, viens ». Mon ami, s'il te plaît, ne gâche pas cette opportunité. Il y a quelque temps en arrière, je suis allé parler à une dame de Jésus. J'insistais, je parlais, mais elle a refusé de se repentir. Et je suis sorti de là un peu triste. Et quelques heures plus tard, j'ai entendu mon téléphone sonner. Quand j'ai décroché, on me dit, pasteur, la femme à qui tu venais de parler de Jésus vient de décéder. Bien-aimé, pour elle, c'était déjà devenu trop tard. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mon ami, ne prends pas le risque de gâcher ton éternité. Ne prends pas le risque de rater le son de la trompette. Tu es un enfant de Dieu, mais tu t'es éloigné. Il y a des choses que tu fais qui n'honorent pas le Seigneur. Alors avance, mon ami, c'est ton jour. Et Dieu te parle par amour. Dieu te parle par amour. Viens, mon ami, viens, 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 viens. Oublie ton orgueil. Oublie ta fierté personnelle. Il s'agit de ton éternité. Peut-être même que tu sers le Seigneur. Bien-aimé, c'est une affaire de vie ou de mort. Viens, 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 nous allons prier ensemble. Car aujourd'hui, c'est ton jour. Et Dieu te parle par amour. Ngana kokende e paina papa. Ngana kondima mabe nanga. Ngana kuluba ye papa. Libisa mabe nanga. Oh ngana kuluba na Yesu. Ngai moko nako kite Papa simba bomboi nanga Nimisa mabe nanga Ngana kokene paina papa Ngana kotima mabe nanga Ngana koloba na ye papa Libisa mabe nanga Ngana koloba na ye lisusu Ngai moko nako kite Papa simba bomboi nanga Libisa mabe. Le Seigneur est en train de me parler de deux personnes, une jeune fille et un jeune garçon. Je vois la jeune fille dans une vie du péché. Je la vois dans le sexe. Et je vois le jeune homme dans la drogue. Mais vous deux, vous n'êtes pas passés devant, vous êtes restés là où vous êtes. Je vois la jeune fille de ce côté-ci, un peu à droite. Et je vois le jeune homme de ce côté-ci, la jeune fille plutôt à ma gauche et le jeune homme de ce côté-ci à ma droite. Bien-aimés, nous avons nos yeux fermés pour ne pas embarrasser les bien-aimés, s'il vous plaît. Mais je vais particulièrement demander à ces deux personnes d'avancer, car c'est votre jour. S'il te plaît, avance. Ce n'est pas un spectacle, nous n'avons pas besoin de voir de qui il s'agit. Mais Dieu qui te connaît, il te voit. Mon ami, viens, 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 viens. Viens, viens, Dieu veut te délivrer de toutes ces choses. Dieu veut t'affranchir. Merci, que Dieu te bénisse. Viens, 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 viens. Dieu veut t'affranchir. Dieu veut t'affranchir. Dieu veut t'affranchir. Dieu veut t'affranchir. Viens, 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 viens. Dieu te parle par amour. 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 Mon ami, je te vois dans la drogue. Je te vois dans la drogue. Viens, viens, viens. Dieu veut te délivrer de ce joug. Dieu veut te délivrer de ce joug. Dieu veut te délivrer de ce joug. Viens, viens, viens. Viens, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour et Dieu te parle par amour. Ceux qui se sont avancés, mettez-vous à parler à Dieu. Répondez vos cœurs. Répondez vos cœurs dans sa présence. Répondez-vous. Répondez-vous. Demandez pardon à Dieu. Faites-le de tous vos cœurs. Oui, Dieu est là pour vous. Dieu est là pour vous restaurer. Dieu est là pour vous restaurer. Dieu est là pour vous restaurer. Oh, Jésus. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Seigneur, je suis là pour toi, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets, à personne, Seigneur, t'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, hey, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Bien-aimés, avant que je ne prie pour les bien-aimés qui se sont avancés pour se réconcilier avec Dieu, je voudrais te donner l'opportunité de le faire, car je sens que tu devais passer devant. Mais je voudrais me décharger de toute responsabilité. J'aimerais que ce jour-là, que je puisse dire à Dieu, « Seigneur, j'avais insisté, mais il avait délibérément refusé. » Je vais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 5, cela voudra dire que tu as délibérément refusé de revenir à Dieu. Et je dirai, « Seigneur, son sang retombe sur lui. » Je ne suis pas responsable. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Bien-aimé, avance vite, avance vite, avance vite. Car c'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de vie ou de mort. Je ne sais pas ce qui va arriver après ce temps, mais saisis l'amour et la grâce de Dieu. Je compte 4. Oh oui, élève ta voix, mets-toi à parler à Dieu. Si tu sens que tu dois crier à Dieu, crie. Si tu sens que tu dois pleurer, pleure. Car aujourd'hui, c'est ton jour, c'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta restauration. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Il est là pour toi, il est là pour toi. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Je compte 5. Mon ami, ton sang retombera sur toi-même. Ceux qui se sont avancés, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Si tu sens que tu dois déchirer ton corps, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, car bientôt la trompette va sonner, bientôt la trompette va sonner. Mon ami, toi qui es resté à ta place, mets-toi à prier pour ta vie. Que Dieu te préserve de la séduction. Que Dieu te préserve de la séduction. Que Dieu te préserve de la séduction. Que Dieu te garde des ténèbres de ce monde. Que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde. Que tu ne rates pas ce rendez-vous. Que tu ne rates pas le son de la trompette. Oh Église, est-ce que nous pouvons parler au Seigneur? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, 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 oh Dieu. Oui, déchire ton cœur, devant Dieu. Répands-toi, répands-toi. Déchire ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur. Oh. Que le sauveur merveilleux, je possède. Il pardonne mes péchés. Quel sauveur merveilleux, il s'est sacrifié pour moi. Oui, oui. Il a versé son sang pour toi. Il a fait. Innocente, il sait. Merci Jésus pour mourir. Merci Jésus sur l'infâme bois. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il est monté à la croix pour toi, pour te pardonner. Attaché à la croix, il a versé son sang pour toi. Il a pris ton péché. Il a pris ton péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix. Maltraité à la croix pour moi. Oui, maltraité, oui, oui. Maltraité à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Maltraité. Il s'est donné pour toi. Pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Crucifié à la croix. Bien-aimé. Il ne s'agit pas que de ceux qui se sont avancés, mais je suis en train de voir un esprit de restauration, Le Seigneur est en train de nous restaurer. Je vois des ministères en train d'être restaurés. Je vois des vies en train d'être restaurées. Bien-aimé, toi qui t'es avancé, Dieu me dit de te dire qu'il te pardonne et il te restaure. Reçois la restauration, reçois cela, reçois cela. Il nous restaure. Il nous restaure par son esprit. 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 Il le fait, il le fait, il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait, il le fait, il le fait. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il nous rend fort, il nous rend fort. Dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de ténèbres, il nous rend fort. Il nous rend fort par son onction. Il nous rend fort par sa puissance. Il le fait, il le fait, il le fait. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons nos mains légèrement levées vers le Seigneur. Père bien-aimé, je prie pour mon frère, ma sœur qui s'est avancée. Éternel Dieu, il a entendu ta voix, elle a entendu ta voix. Seigneur, elle est venue. Il est venu dans ta présence, pas au devant d'un homme, au devant de toi. Tendre Père, tu as dit dans ta parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Père, je prie que tu restaures mon frère. Que tu restaures ma soeur. Que tu relèves mon Dieu. Que tu pardonnes son péché. Oh Jésus, souviens-toi de la croix. Souviens-toi du sang versé. Père, merci, car tu pardonnes, tu restaures, tu relèves. Éternel Dieu de gloire, je prie que tu nous rendes capables par la puissance du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Je prie que le Saint-Esprit saisisse mon frère, que le Saint-Esprit saisisse ma soeur, oh Dieu, que la puissance de la restauration nous touche et nous relève dans le nom de Jésus. Père, fais-le, fais-le, fais-le en ce jour. Merci, Père. Car là où il y avait la mort, tu ramènes la vie. Merci Père, car là où il y avait le désespoir et le pleur, tu ramènes l'espérance et la joie. Éternel Dieu, merci, car plus jamais rien ne nous éloignera de toi. Seigneur, aujourd'hui je sais, je suis convaincu que ce jour-là, quand la trompette sonnera, nous nous retrouverons dans ta présence. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, mais je prie aussi pour moi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Place dans nos cœurs la crainte de toi. Nous voulons marcher dans l'intégrité, dans la sainteté. Partout où nous sommes, nous voulons te ressembler, Seigneur. Père, que le sommeil spirituel ne nous endorme plus jamais. Nous ne voulons pas être surpris comme les vierges. Nous ne voulons pas être surpris, mais nous voulons être prêts. Fais-le, Seigneur. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Tiens-nous par la main et conduis-nous sur le chemin que tu as tracé au-devant de nous. Père, nous t'attendons. Oui, Jésus, nous t'attendons. Viens, Seigneur, viens nous chercher. Viens nous chercher. Nous t'attendons. Que la soif de toi grandisse dans nos cœurs. Sépare de nous tout attachement à la mondanité. Détache-nous de l'immoralité et de la perversion. Enseigne-nous tes voies. Je crois, Seigneur, que nous allons enfanter. Oui, mais nous allons enfanter des vies remplies de crainte de Dieu. Merci, Seigneur, car plus jamais rien ne nous éloignera de toi. les épreuves vont venir, mais tu nous tiendras par la main. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire, peu importe ce que nous allons vivre, nous allons payer le prix, mais nous resterons accrochés à toi. Car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend. Et nous voulons garder nos yeux fixés sur cette rémunération, comme Moïse. Merci, car tu as pardonné. Merci, car tu as restauré. Merci, car tu nous as renouvelés. Que tout l'honneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Toi seul est digne. Au nom de Jésus. Amen. L'expression de notre reconnaissance et de notre gratitude.